Ok, si je vous disais que la Nintendo Switch 2, donc la prochaine machine de Nintendo, elle s'appellera peut-être pas Switch 2, je sais pas comment elle va s'appeler, mais en tout cas on sait que c'est un nouveau modèle de Switch et que c'est pas un tout nouveau hardware, pourrait changer une énorme chose au niveau de ses manettes, une innovation de la part de Nintendo sur des manettes de jeux vidéo, une innovation que Nintendo avait déjà réfléchi en la personne de Sakurai pour la Nintendo 64 et une innovation dont le brevet a été déposé en 2015 par Nintendo. On sait que Nintendo adore déposer des brevets pour les utiliser plus tard. Ce brevet devait être utilisé à la base pour la NX, la Nintendo NX, qui était la Nintendo Switch, mais aurait été utilisé pour cette Nintendo Switch 2. Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue cette semaine pour les rumeurs, les actualités, les débats et les commentaires sur ce qui tombe dans l'actualité des jeux vidéo. Cette actualité a déjà quelques mois, mais j'ai fouillé et farfouillé sur internet depuis maintenant quelques jours et quelques semaines pour pouvoir étayer un petit peu cette vidéo qui n'est peut-être pas ancré dans l'actualité sur des choses qui viennent de tomber, mais qui est ancré bel et bien dans ce qu'on attend pour la Nintendo Switch 2. Ce que je vais vous montrer juste ici est un brevet qui a été déposé en 2015 par Nintendo. C'est donc bel et bien un brevet de Nintendo qui était nommé Nintendo NX Patent, c'est-à-dire un brevet pour la Nintendo NX. On rappelle que NX, c'était le nom de code de la Nintendo Switch, et effectivement, on peut remarquer que sur cette console qui est juste là, qui était dans les brevets de Nintendo à l'époque, eh bien, on avait déjà ce qui s'apparentait juste ici à une espèce de petite molette, la scroll wheel, pour la roue de scrolling à utiliser sur la console. Elle se mettrait en haut des manettes de la machine pour pouvoir scroller à droite et à gauche beaucoup plus rapidement. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'à l'époque de la Nintendo 64, Sakurai lui-même, donc la personne qui est derrière Smash Bros, avait d'ores et déjà pensé à une roue qui pourrait se mettre derrière tout simplement votre manette. Donc à la manière de la petite scroll wheel que vous avez sur votre souris, elle permettrait simplement de sélectionner plus rapidement des éléments, notamment dans les éléments du menu qui sont ici, pour pouvoir aller plus rapidement dans les contrôles. Et c'est assez intéressant parce que ces dernières années, Nintendo a mis en avant beaucoup de jeux qui utilisent un mécanisme de scrolling. Vous le voyez ici sur le prochain The Legend of Zelda Echoes of Wisdom. On peut le retrouver également dans The Legend of Zelda Tears of the Kingdom ou Breath of the Wild. Le fameux menu super pas pratique, où il faut dérouler toute la barre pour trouver quelque chose rapidement et qui, quand on y réfléchit, manque d'une petite roue de scrolling. Nintendo y a donc déjà pensé depuis 2015. Et je vous dis 2015, mais c'est donc bien avant, à l'époque de la Nintendo 64, que Sakurai lui-même avait imaginé tout cela. On a une histoire qui vient étayer toutes ces théories. Je vous la rappelle quand même, il y a maintenant quelques mois, à un poste frontière des États-Unis, un mec est arrêté. C'est une news qu'on avait partagée à l'époque, qui avait été partagée sur Reddit. C'était d'ailleurs un douanier qui en parlait. C'était pas le douanier Rousseau, mais j'ai failli faire la blague. Le douanier explique qu'il arrête quelqu'un pour un matériel informatique dans une grosse valise. Cette personne dit qu'elle est assermentée, qu'elle ne peut pas montrer cette valise en public, que c'est soumis à de la confidentialité. Et ce douanier amène ce voyageur japonais directement dans les backrooms derrière à l'aéroport. Et il ouvre cette mallette, il montre son objet, et le douanier explique sur internet, en tout cas dans ce message Reddit dont on avait déjà parlé sur la chaîne, que ça s'apparente à une console. Donc c'est un kit de développement de console dont la manette possède une petite roue dentée au-dessus au-dessus du contrôleur pour permettre d'être utilisé très certainement dans des menus. Et cette histoire que je vous partageais il y a maintenant quelques mois et que je vous repartage aujourd'hui, rappelle bel et bien ce fameux brevet de Nintendo qui parle de cette fameuse petite roue dentée. Donc oui, on est effectivement sur une rumeur pour cette fameuse histoire dont on avait déjà parlé sur la chaîne, qui parle d'un kit de développement de console qui se serait passé de main en main d'une société à une autre pour développer des jeux, sur laquelle on rapporte un brevet qui date de 2015 et une idée qui date de bien avant, qui au final s'emboîte de la façon la plus logique possible. 1.
logique possible par rapport au dépôt de brevets, 2 par rapport à l'idée de Nintendo de le faire, et 3 par rapport aux idées de gameplay qui sont proposées de plus en plus par Nintendo aussi ces dernières années. Et quand on écoute un petit peu, eh bien notamment les développeurs de Zelda Tears of the Kingdom sur ces dernières années, et notamment sur ces derniers mois, lorsqu'ils parlaient eh bien notamment des mécanismes de gameplay sur Zelda Tears of the Kingdom, les développeurs eux-mêmes disaient qu'il était extrêmement compliqué de développer les mécanismes de gameplay de Tears of the Kingdom, tant il y avait de choses à faire, de boutons, de mécanismes à chercher dans, eh bien, dans son inventaire, et qu'en fait bah, la manette de la Nintendo Switch à l'heure actuelle était bien, mais qu'il manquait peut-être quelques boutons. Et force est de constater que plus on joue à Tears of the Kingdom, plus on joue à Breath of the Wild, plus on se rend compte qu'effectivement, quand on y pense, cette petite roue dentée de sélection serait ultra utile. Et c'est vrai que Nintendo, sur ces dernières années, et depuis tout temps en fait, Nintendo, ils ont un but, c'est peut-être pas tout innover, mais une innovation qui va eh bien, changer la donne sur beaucoup de choses. On rappellera que les manettes que l'on a à l'heure actuelle dans l'univers du jeu vidéo sont originaires de Nintendo, notamment avec la croix directionnelle sur le côté, et donc rajouter une petite roue de scrolling permettrait énormément de choses. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on avait mis à jour également un autre brevet chez Nintendo. Alors je ne l'ai pas retrouvé parce que j'ai essayé de me balader un petit peu dans mes vidéos, mais je ne sais plus où elle était, un autre brevet qui mentionnait que justement cette petite roue dentée permettrait également d'être cliquée et peut-être même déplacée, voire même d'avoir une espèce de petite résistance pour pouvoir eh bien, utiliser certains éléments de jeu dans certains éléments de gameplay. Personnellement, je trouve ça fascinant, ce brevet qui a été déposé par Nintendo. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Personnellement, je pense que ça pourrait être la fameuse innovation qui pourrait changer énormément de choses dans les gameplays. Et comme on le disait d'ailleurs, mais par rapport aux déclarations notamment du président de Nintendo, il disait « Ok, la Nintendo Switch 2, c'est pas une nouvelle console. » Et ce sont ses mots, hein, c'est une interview qu'il a faite, il a dit « La Switch 2, ce n'est pas une nouvelle console. C'est, je cite, hein, un nouveau modèle de Nintendo Switch. » Mais on sait que Nintendo ne sort pas simplement des consoles pour sortir des consoles. Il sort des consoles, un, effectivement, pour améliorer la puissance. Donc forcément que la Nintendo Switch 2, on attend plus de puissance que par rapport à la Nintendo Switch 1. Mais il y a toujours une innovation qui va changer. Je pense à la Game Boy Advance, je pense à la 3DS, je pense à la Wii U et la Switch qui vont ensemble avec ce côté dual. Eh bien, peut-être que effectivement cette grosse nouveauté sur la Switch 2, marquez mes mots, serait effectivement cette petite roue dentée. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. J'ai hâte de vous lire, j'ai fait tomber mon Mediator de guitare, c'est pas bien grave, si j'arrive à le récupérer ce serait très cool. Donc voilà, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez, j'ai hâte de vous lire. Perso, je trouve ça trop cool, si ça se fait vraiment et si ça coïncide vraiment avec toutes les informations qu'on a à l'heure actuelle de rumeurs et de choses qui tombent à droite à gauche. Moi, je trouverais ça assez logique. Bref, j'arrête de parler, je vous laisse la place dans les commentaires pour me dire tout ça, mais ça pourrait être, je pense, la plus grosse innovation de changement entre la Switch 1 et la Switch 2.